Bonjour les amis, ici Gros Choco Geek, et nous nous retrouvons à nouveau pour un nouvel épisode de Galaxy of Pen and Paper. Avec tout de suite une petite phrase qui commence par Seb. Mais pourquoi les boss ils utilisent jamais leur plus grosse attaque dès le début, non? Parce que ce serait une très mauvaise étiquette de jeu de rôle. Comme ça, je sais pas. Rentrer directement dans la maison des gens et critiquer la cuisine de leur mère. Tu ne fais pas ça, c'est tout. Mais si tu te concentres sur le jeu, alors nous y allons. Voilà, toujours les petites phrases. Désolé, hein, je suis un petit peu... Le petit gros chocogui qui est un petit peu en vrac ces derniers temps, des petits soucis un peu... Bon, rien qui ne m'empêchera de faire des vidéos, mais ça tape sur le moral. Donc, c'est un petit peu moins dedans, hein, mais... J'avais envie de faire des vidéos, j'avais envie que les gens qui me suivent et qui regardent et qui aiment Galaxy of Pen and Paper par Gros Choco Geek se disent « Ouais, c'est encore un nouvel épisode !» Je ne sais pas pourquoi je vous fais cette voix, hein, ne m'en voulez pas. Alors pour commencer, pour se mettre dans le bain, on va tout de suite commencer par « Je suis désolé, je trouve ce truc génial. Je vérifie que j'enregistre bien, c'est parti, nouvelle aventure. Je ne sais même plus où nous en sommes. Ah oui, nous avons le choix sur l'émission. Oh, on va continuer la campagne. Le complot spatial s'épaissit comme de la béchamel. Le dernier add-on est sorti. On va en avoir un nouveau. Alors, nous avons le droit au MedTech sans frontières. Esprit, puissance, essence. Alors, la planète sauvage, ligne sauvage, ennemi de la savane et des nouvelles compétences. Planète forestière, medtech questline, donc des quêtes sur les medtech. Je suppose que medtech, ça doit être un genre de technicien qui soigne. Bon, bah, je pense que ça sera ça parce que je manque quand même un petit peu de soins maintenant. Le négociateur, négociation 1, ça peut être pas mal aussi. Non, on va prendre ça, tiens. Bon choix. Essayons-le à l'occasion. Et on va faire ça. Je capte un signal de détresse. Je pense qu'un nouveau... Un autre vaisseau va... Je ne pense pas qu'un autre vaisseau va le capter. Voilà. Je dirais qu'on a une intelligence artificielle à bord. C'est vraiment génial. Bien, si tu le fais... qu'est-ce que le message de secours dit? Je vais le reproduire pour toi, Théo, compagnon Théo. Est-ce que quelqu'un m'entend? Par l'espace, j'espère que nous avons besoin d'aide. Rebelle, Dice. Dewey. Ah oui, Dewey, c'est lui. J'avais oublié pourquoi je me demandais pourquoi il parlait. C'est Will, c'est Dewey. Dewey peut partiellement décoder le message, mais il y a trop de morceaux manquants. Et moi, je bois un petit coup de citron chaud. Mais... Ils ont mentionné un dé. Enfin, un dice, mais on va le dire en dé en français. Ça a l'air aussi super dangereux. Dangereux? Et une quête? Nom d'une petite fille, allons-y! Très bien, Théo. Très bien, ami Théo. On va... Oh, plotting a course to the signal. Le gros choco geek a du mal. Ah, le gros choco geek a du mal. Ah, le gros choco geek a du mal. Ah. Très bien, compagnon Théo. Nous allons instaurer un trajet au point d'origine du signal Giga City 37. Alors. À bord de la grange, Dewey a récupéré une transmission mystérieuse. Qu'est-ce qui peut se cacher dans la transmission mystérieuse? Est-ce que ça va être encore l'autre neuneu? Le Space Président d'Opérette? Quoi qu'il en soit, pour le moment, espace. Allons dans le système Roddenberry. Quabou! Oui, j'ai pas été faire d'artisanat, je pense que je ferai ça en off, histoire de voir ce que ça donne. Wow!
Alors, est-ce qu'il y a des clins d'œil planqués à droite et à gauche? En tout cas, c'est joli. Giga City 37 est une planète utopique, vraiment propre et au climat doux. Et assez étrange, les rues et les parcs sont vides. Peut-être que tout le monde est à la maison regardant le dernier épisode de Tellement Chef. Un scientifique vient vers vous. Il ne devrait pas être apte à... Je suis content de voir que quelqu'un a capté mon signal. Nos communications sont par terre. Foutu, capote. J'ai dû improviser un relais au travers de mon grippin. Il a fait un relais au travers de son grippin. Le scientifique vous dit que qu'il dit quelque chose manque et Giga City 37 n'a aucune communication. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à ça? Alors, Théo dit qu'est-ce qui a besoin d'être cassé. Bob dit dites-nous ce qui est arrivé et Seb. Non, on va rester sur le qu'est-ce qui s'est passé. Mais dis-moi, mon grand, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Non, c'était pas Bob Lennon, ça. Bonjour, je suis Bob Lennon. Ouais, non, c'était ça. Direct au point, hein. Bon, bah tant mieux, parce que j'ai pas que ça à faire. C'est Horse. Donc Horse qui veut dire cheval en français. Ah, j'ai eu un level up, tiens. Bah justement. Bon. Il est complètement devenu fou après que nous avons installé un dice à l'intérieur. Cheval? Oui, vous êtes des étrangers. Hyper opérationnel, Region Simulation, Energicron Horse, cheval en français. C'est une super intelligence artificielle qui réussit à gérer toutes nos communications et énergie. C'est Skynet, quoi. Et on peut aider comment? Où est-ce qu'on peut prendre ce dé et est-ce qu'on peut prendre ce dé est-ce qu'on peut prendre ce dé en récompense? Vous faites ce que vous voulez avec cette saleté. Je ne veux jamais entendre parler d'un dice à nouveau. Le Horse s'est enfui sur la planète proche, Brumby 3. Nous avons besoin de renverser cette situation. Vite, s'il vous plaît. Ramenez-le à la maison. C'est exactement ce que nous allons faire. Mais d'abord, on va faire le level up de Bob. Hop. Alors, nous avons 2 points. C'est pas grand-chose. On va pas faire grand-chose avec 2 points. Ça devient compliqué. Passive. Vous êtes inutile, monsieur Burn. Stun. Je sais que Théo a le moyen de coller des... Oui, non, c'est Shred qui... Bon. Bah, on touche à rien. Anti-tech. Vous êtes tech. Ouais, bon. On va laisser ça comme ça. De toute façon, on peut rien en faire pour l'instant. Par contre, y a un magasin ici. Et ils ont du bazar. Et ils ont du beau bazar, madame. Bon, ça, c'est... Oh. Ah, de la flotte. J'ai que 107 pièces d'or. Oh, mince. Bon, bah, on va en prendre 2. Voilà. L'eau coûte cher dans ce jeu. Moi, je dis ça. Je dis rien. Donc, il faut aller au vaisseau. On va tout de suite aller jeter un coup d'œil sur les portes. Ah, tiens, il y a une nouvelle interaction avec Dewey. Mais Dewey, il y a quoi derrière cette porte? Je ne sais pas. Je ne peux pas capter l'intérieur. Aucun accès n'est enregistré. Oh, ce suspense me tue. Ça et la déesse de la...
Bref, pour ceux qui ont suivi Aventure, vous saurez de quoi je parle. Repose en paix, Shin. Nous t'aimions bien. Et tu as laissé plein d'orphelins derrière toi. Donc. Je ne sais absolument pas. Là. Drumby. Oh, 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 oh. Il se passe quelque chose. Baston spatial. Baston. Baston. Baston spatial. Oh. Bon, bah voilà. Fin de la baston spatiale. Victory. Bien, bien, bien. Et encore un level up. Et cette fois, c'était haut. Deux skills, ouais, bon bah, est-ce que... Par contre, lui, je suis pas sûr que j'ai utilisé tout ce qu'il avait besoin. Non. Non, 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 non. Allons-y, allons-y, allons-y. En arrivant sur Bumpy 3, vous ne voyez rien qui devrait indiquer la présence d'un horse ici. Bien! Eh bien, regardons un peu plus! Il doit être un peu plus loin. Oui, ça peut pas être difficile de trouver un robot en forme de cheval avec sur une toute planète entière à chercher. Bon. Eh bien. Ok, c'est un peu flag, mais... Bon, on va explorer avant d'aller plus loin. Après tout... En plus, ça, c'est quasiment en ligne. Ah oui, non, mais t'étais obligé de... Oh, moyen... Ah. La nuit tombe, mais la seule chose que vous... Le seul hôtel que vous trouvez semble vraiment obscur. Ah, c'est le même que... Bon, on va laisser parler Théo. Je leur rends leur regard, et s'ils sont... Si ce sont des créatures sans défense... Ah oui, non, je leur rends leur regard comme si c'était des créatures sans défense, et je prends quelques chambres pour la nuit. Ah, je me suis fait voler un sirop de pétroleum. C'est dégueulasse. Bon, bah on va ramasser... On va scanner. Squeak, squeak, squeak. Deux volcanites. Scanning charge. Oh, joli. C'est joli. Et une discussion. Tout le monde, soyez prêts pour célébrer le jour de la vie. On parle pas de... Non, nous ne parlons pas... Au sujet de ça. Bon. Nous ne parlons pas de ce genre de vacances. Mais c'est le jour de la... Chut. Je sais pas. J'ai pas compris. Y'en ai pas compris. Yann n'est pas compris. Un petit scanning. Non, non et non. Vous êtes une bande de Pékin. Bon, on va aller voir de ce côté-là. Eh ben, c'est fini. Vous voyez une... Bah oui, non mais vous voyez une pile de minéraux juste sur le sol, là, comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Les ignorer. Il ne peut pas y avoir de mal à laisser les... Et on va vérifier que c'est pas un piège. Vous voyez un groupe de bandits se cachant loin, c'est effectivement un piège. Vous quittez la situation un peu plus intelligent. Ce qui a permis de gagner 10 points d'XP, ce qui n'est pas dégoûtant. Ah. Discussion. Quoi qu'il arrive, ne laissez aucun alien. J'ai pas compris. Oui, je voulais voir aussi s'il y avait un autre magasin un peu moins arnaqueur. Alors ils ont même pas d'eau. Oh, par contre ils ont du matos. Oh mon dieu. Casque Chroma Squad. C'est dommage, ils ont pas mis des petites choses drôles avec. Augmente les HP par 26. Ça j'en ai déjà un. Augmente vos dommages par 5. Initiative par 1. Kairing. Lol. Bon, ça a l'air pas mal du tout ça. C'est dommage que ça se voit pas sur les personnages pour le coup. Est-ce que j'ai des trucs que je peux vendre? C'est tout? Ça rapporte que dalle!
Alors oui, je viens de voir que j'avais du matos, autant équiper les gugus. Tac. Donc ça augmente le bouclier par 20 et la chance d'esquiver de 2. Ça serait peut-être plutôt pour... Ouais. Tac tac tac. On monte ton bouclier de 20. Voilà, et ça augmente le speed par 2, c'est que dalle. Ah, c'est que dalle. Nanana. On se taille. Bon bah... Obviously, il y a un seul endroit où il y a un cheval. Vous trouvez une bande de robots se baladant dans cet endroit. Notre système de logique indique que quelqu'un devrait arriver. Mais dites-nous où Horse est, et il a plein de choses à répondre là. Les réponses pour être verrouillé dans cette centrale énergétique à Giga City 37, nous ne pensons pas. Nous pensons que vous devez goûter un peu de la justice robotique. Vaincre 4 robots solaires pour continuer votre mission. Eh ben, on va vaincre 4 robots solaires pour continuer notre mission. Je ne sais absolument pas si c'est une bonne... Oh bof, on va en retirer un. Voilà. Ça va. Picote un peu, mais pas trop. Alors. Ils sont beaucoup moins agressifs d'un coup, beaucoup moins longs. Par contre, il va falloir que je le soigne. Et puis où ? Tank en armure lourde, c'est du bonheur. Voilà. Il ne te reste aucun camarade, je te suggère de nous dire où se trouve le Horse. C'est bien. Le Horse est parti à Neo-Tokyo à l'heure où on parle. Il dirige cette planète et la galaxie d'ailleurs. Hein? Mais alors pourquoi vous êtes-il laissé ici? Dossier manquant. Horse vous a juste utilisé pour s'échapper de Giga City 37. Et là, il vous a laissé ici comme ça. Oui, comme vous pouvez le voir, Horse est un maître stratégique. Oublie ce robot, Seb. Allons à Neo Tokyo. Allez! Horse va vous attraper. Et après, il reviendra pour moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, remarquez bien. Horse est supérieur. Sniff. Pauvre petit robot.
Ah, pauvre, pauvre, pauvre petit robot. Alors, à 3, est-ce que j'ai des choses qui sont intéressantes? Ma foi. Touk, touk, touk. Parce que j'ai plein de choses quand... Ah. Oh, c'est pas mal, ça. Ça, c'est du 5. De toute façon, j'ai pas les points. Oh, c'est pas mal, ça. Initiative augmentée de 3. Je prends. Bon, bah, donc... On va déjà les soigner, non? Hein, parce que, voilà. On les ramène au vaisseau. On les ramène au vaisseau. Et on les a ramenés au vaisseau. Ce sera la fin de ce petit épisode pour aujourd'hui. Petite reprise, petit épisode. Voilà, c'est l'amour. Et si vous appréciez, passez dans mon Tipeee de bambou, mais partagez, likez, commentez et puis tout. Dites à vos proches tout près que vous les aimez, qu'ils comptent pour vous, tout plein de bisous. Salut et à bientôt.